Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier on était en live avec Despiello et Hydro pour découvrir Francorchamps qui a fait son apparition avec la version 1.47 je crois de Gran Turismo Sport. Donc on a pris pas mal de voitures de différentes catégories, on a fait de la Super Formula, sous la pluie, de nuit, et on a testé avec vous en multijoueur pas mal de ces configurations sur le nouveau tracé. Et je m'en suis pas trop mal sorti, je vous laisse la VOD, bonne vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner pour voir la suite de nos aventures ensemble. Bonne vidéo. Non, oh, salut. Voilà. Terribles images. J'ai pas touché, y'a pas touché. Ça faut que tu spins quand j'arrive quoi, c'est terrible. Et voilà, Maxou qui vient d'arriver sur le live, incroyables images. Balance sa course peut-être comme ça, le temps qu'il lance son truc. Exact. Hop là. T'as fait toutes les mises à jour Maxou? Pas de problème, depuis ce matin 10h. Ah bah oui. Lui il est là pour faire les mages, hein. Il y a du monde. Et du coup la pluie sur Spa, ah, mais déjà, peine, alors déjà il y a ceux qui bah, sont... Attends, on est en train de tester. J'entends ça. J'espère que vous avez tous débuté avec des pneus. Ah non, évidemment. Clairement, vu le départ, il y en a qui sont partis en pneus secs. Non, non. Oh là là, le raidillon. Oh, le raidillon, ça va être spécial. Oh, le raidillon. Oh, ça va être la sauce. Oh, la sauce bolognaise. Ah, je vous conseille de vous laisser de la place. Laisse de la place. Oh, faut freiner en entrée. Freinez les gars, freinez, tranquille, tranquille. Allez hop, on fait une Verstappen, on coupe. Alors, on va se manger sur une dizaine. Ou GT5. Ça c'est bon, et je crois que... Ouais, bah, je crois que c'est bon. Ah non, ah voilà, ami uniquement. Ouf, oh, j'ai eu chaud. Le salon secret, merci de ne pas rejoindre le salon avant que Maxou et Hydro soient dans le salon. Attendez mon top s'il vous plaît. Voilà, histoire que tout le monde soit content et que après, bon bah malheureusement c'est le gladiateur, hein, c'est voilà. Si vous y arrivez, vous y arrivez. Jeff fait dans le chat. Ah bonjour Jeff Harvick. Si vous voulez des cercles mérites. Oh, ça c'est petit Jeff. Achetez Forza. Oh, ça c'est pas gentil ça. Bah bravo Jeff, bravo. Attendez encore s'il vous plaît, attendez avant que voilà. Bah, alors façon, le salon moi, est le salon on. Est pas là. Maxou et Hydro s'il vous plaît rejoignez. Non GG non ça lynx. Oh mais non. C'est mais fait, les gars. Normalement je rentre dedans. Moi je suis dedans aussi normalement. Attends je vois pas Maxou, Maxou le pilote. Oh. Salaud. Oh il y en a deux là, Salinx. Alors non, Salinx lui il a bugué plusieurs fois donc on va le laisser. Et je crois que même GG aussi avait bugué aussi sur la ligne de départ donc vous avez de la chance hein. Vous avez beaucoup de chance. Le mec il date des... C'est ça quoi. Méfiez-vous hein, faites bien méfiez-vous, gaffe. Méfiez-vous hein. Méfiez-vous hein. Bon allez je prends la Porsche Taycan. Hop let's go. Si vous avez la Porsche prenez la. Si vous ne l'avez pas c'est pas grave. Prenez une autre voiture oh, du groupe X. Oh, est-ce que ton méfiez-vous c'est une vieille référence à une émission de télé d'il y a 15 ans? Ah pas du tout. Ah ok pardon. J'ai... On n'est pas tous aussi vieux pas... désolé hein. Ouais non désolé, justement Maxou, ça m'aurait énormément surpris en fait. Désolé Maxou je... Non je... Ok ok voilà, méfiez-vous hein. Méfiez-vous bien. Ah c'est juste une crash avec 4. Ah alors qu'il y a la Tomahawk qui est dispo. Ouais. Exactement. On va prendre la et on est reparti pour ah mais j'ai bien fait le combo. Bon bah ceux qui sont partis du live et qui reviennent maintenant ils vont. En gros mais c'est scandaleux la différence de vitesse de pointe entre. Non mais la Tomahawk elle est ultra cheat hein. Non mais il a pas une Tomahawk, il a une Porsche. Oula. Bah t'es nul. Bah je pense que la manette est. Bilan pas de stabilité t'es nul hein. Voilà tout simplement. Alors où est le bouton du Kers? Sur ce truc. Il est où le fat boost? Alors non, il n'y a pas de bug de son, hein. C'est juste que... Oh gros, la speed 260. Alors, tu entendras Maxou. Tu entendras Maxou que y a le son de la Porsche qui simule un moteur thermique quand t'es en caméra on-board. Enfin, dans la caméra... Non, oh, même en extérieur. Hein. Ouais, même en dashboard, c'est un putain de Dyson, quoi. C'est... Non, t'as... Ah, le... je te jure, t'entends un petit... Oui. Ah, là. Dans le fond, t'as un petit bruit de moteur thermique. C'est les enceintes Bang & Olufsen ou Bose, je sais plus. Ce qui bug au départ, c'est les joueurs manettes. Quand j'ai passé le volant, ça me l'a plus fait. Bah, j'ai pas eu de bug pour l'instant. Porte pas l'impôt. Il y a une safety car sur la piste, MDR. Absolument. Non, mais là. En gros, tout à l'heure, il y a eu un combo. Il y a eu trois safety cars devant une Super Formula et une pop. C'était magnifique. Genre, le mec qui connaît rien au sim racing, il tombe sur ça, il comprend pas. Hein. Ça peut faire de belles photos. Exactement. C'est des mecs qui vont faire, mais il y a la safety car dans Gran Turismo maintenant. Attends, mais on peut prendre la place de Belneda. Attends, mais c'est quoi la voiture qui est derrière moi? Attends, qu'est-ce que c'est que cette caisse? C'est une Tomahawk, non? Putain, c'est ultra fluide en tout cas mon record, non? Enfin, je... En tout cas, genre média, toujours aussi qualitatif. Hein. Ah, et Max le pilote qui devient salé. Ah non, c'est normal, sans c'est déconner. Le midi. Là, pour manger. Assez fait, perso.
Ah. Bah, pas moi. J'ai fait pas la même erreur qu'hier où. Ouais, ça va, c'est fini à 17h. Ouais. Allez, salut. Salut mon pote. Salut mon pote. Bah, en vrai, il est propre. Ouais. Hein. Ça passe pas, bon, blanchiment. Oh, le circuit est vraiment très propre, je trouve. C'est l'ancien. Ah, ils ont déjà fait le nouveau bâtiment du karting, pas mal. Ouais, il est assez récent quand même. Ah. Eh, bouge avec ta safety. Oh, safety car en rupteur. Bah, ouais. Voilà, putain, j'ai 17 secondes de pénalité dans blanchiment tellement c'est terrible. Je te prends la speed, oh. Oh, Magnussen. Et il zigzague. Par contre, la Porsche freine. Oh. Comme c'est pas permis. Bah, là. La freine, elle freine pas aussi bien que ça. Ah, je te jure, il y a un petit fond de moteur thermique hein, dans le son. Marrant ça. Ah, ils sont allés vraiment jusque à ce détail là. On n'avait pas l'idée que c'est dégueulasse. On évolue avec son temps. Oh ah d'accord. Ça sort les F1 historiques, génial. Récupère. Oh, oh mais qu'est-ce que t'as fait Hydro? Je t'avais pas vu, j'étais sur l'hôtel. Oh, mais pardon. Sécurité routière, tous responsables, sauf Hydro. Ah, je sens que le demi-seconde dans la montée Kemmel sortie Rédion, ça va être fun. Kermel, tu veux dire? Arrête. Ah, par contre, les bollards, ils les ont vite enlevés. Hein. Ah non, ils ont été shootés, autant pour moi. Donc, il y a bien les bollards au combe, mais... Ils sont tous députés. Oh, en gros, il y a Ayrton Senna qui vient de passer. Oh, what? Oh, mais t'es débile. Mais t'es débile ou quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Tu laisses pas la place? Tu me laisses pas la place. En gros, elle est trop bien la voiture d'Arten, celle-là. Ouais. Elle vaut combien celle-là? Elle vaut pas 2 millions ou un truc comme ça? Non, un petit million. Un petit million. Oh, ça coûte cher. Ça se paye. Et c'est sympa comme ça. American Express, s'il vous plaît. En vrai, c'est pas facile à appliquer. Ah, bah oui, il vient de spin dans le poumon. Le talent, ça s'achète pas par contre. Oh, c'est petit ça, moi. Ça dépend ta carte bleue. Ça dépend ton papa. Ça dépend ton papa. Ouais, exactement. Où est-ce qu'on partirait pas en course? Ah oui, Digong, oui, c'est vrai que ce serait pas mal de faire une course. Bien joué, bien vu. Bien vu l'aveugle, hein. C'est un aveugle qui parle à un sourd qui dit comment faire parler un muet. Alors, c'est parti. Para la finale. Para la finale de la Gran Turismo Sporte. Oh, la super formule en pôle. Non, elle est pas en pôle, elle est deuxième. Ah oui, non, elle est plus deux. Y'a quand même pas mal de pêche, hein, t'es rire! Oh, 13, 14, 15, aïe! Ouf! J'ai pas vu. On est 13, 14, 15, c'est ça? Ouais. Alors on va souffrir. On va devoir traverser le peloton. Ah, j'espère que je vais pas bugger sur la grille. Non, c'est bon. On a qu'à suivre le pace car. Oh, personne n'a bugué? Non, on est bon! Oh, mais pardon! Oh, mais immotricité, man! Oh, Romain Grosjean! Non! Ah, bah si! Oh, Max Verstappen! Ah par contre GG depuis hier il a toujours pas trouvé le frein hein, putain. Ah bah. Oh là là les gars. Oh la safety car arrêté dans la descente. Ah ça va mal se terminer. Oh non. Oh, ah bah non. Oui. Oh là là c'est full carton dans le Rédillon. Oh putain. Alors ça par contre je suis désolé. Mais les voitures qui se remodélisent, c'est un scandale. Non. Oh Hydro qui a failli passer au milieu de tout le monde. Oh Hydro. Oh là par là, contre, je suis désolé, mais les voitures fantômes qui redeviennent physiques juste devant toi en plein milieu de la piste en travers, c'est très très mal. Ah, la base, on appréciera, on aime. Alors que ça freine beaucoup trop tard en combe. Personne ne sait prendre le tirage des combes, c'est terrible. En groupe 4, ça passe normalement facilement. Ah, j'ai pris 5 dixièmes. La haine. Oh, je me fais attaquer en tenaille, au secours. Oh, c'est Brazzers à l'époque de Bruxelles là. Oh, il y a un mec qui fait gaffe. Oh non! Oh, Pipitovic! Maxou, toujours à côté de la coke, à ce que je vois. Mais ouais, bien blanche. Hein. Bien blanche, comme d'habitude. Toujours la meilleure qualité. Hein. Oh. Oh putain, mais. Et personne ne prend le double gauche. Et on rappelle qu'il y avait à la base un bac à gravier. Hein, du côté un bac du à gravier, gauche. Absolument. Et il en aurait calmé 3-4 là. Comment le mec. Ah oui, la Formule 1 s'est arrêtée, il n'y a plus de respect quoi. Ah, alors que. Frappé par la coke, Despiello perd les pédales. On vient de me mettre la tête dedans. J'avoue.
Oh, les bollards, il y a aucun respect. Ceci dit, j'ai envie de te dire, j'étais déjà au bout de la ligne. Oh. Voilà, celle-là, si vous l'avez. Maintenant, tu peux prendre la poudre des scampettes. Ce live sponsor par Montagny. Oh, oh là là, putain, on va se faire défoncer. Les gars, on est devant 1000 spectateurs, quoi, on est pas entre nous. Ah, ça va. Ah oui, d'accord. Imaginez, gars, on serait à la PGW. Ce serait terrible. Jamais je freine, saleté de tu putain de frein de tes morts. Salope. Prends un peu de place, Pierrot. Ah, allez, t'as cru quoi? Moi, je m'appelle Verstappen. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, GG? Oh, la safety car. Oh, GG, mais alors toi. Oh, chichi. Oh, la super Formula derrière. Casse-toi, la super Formula, t'es bien plus rapide que nous. GG, il est full BTCC, lui. Il freine dans la portière du mec en face. Mais il abuse. Ah, mais gros, GG, faut le kick, c'est pas possible. Ah, mais gros. Ah, par contre, la Fittipaldi, là, elle est violente, là. Attends, mais Maxou, le pilote, qu'est-ce qu'il fait en deuxième position, là? Je comprends pas, en tête. En même temps, c'est mon jardin, j'y vais 20 fois par an. Qu'est-ce que tu veux, je connaisse pas le circuit aussi. On va tenter de passer à la ligne à fond. Putain, mais par contre, oh, non, très mauvaise idée pour toi, Gravy. En ligne droite, là, je peux rien faire. Par contre, la spi, elle est abusive. Ça passe. Quasiment. Tiens, on s'assoit. Oh, le décalage de la super formule. Oui, ça passe, c'est propre. Ouais, pas mal. Ah putain, il a clear sa pénalité, lui. Egg, qui était déjà chaud hier en plus. Hein. Absolument. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avec cette voiture, on peut pas. Tourner ? Oui, je comprends. Non, on peut pas la mettre en travers full puisque c'est une 4 motrice. Par contre, l'accélération, elle est propre. Hein. Faudrait la mettre face à une GTR en ligne droite, ça peut être bien. Ah, je pense que ouais, il y a moyen. Ah, la super Formula qui vient de nous ouvrir en deux. Wouah, tu disais on peut pas la mettre en travers? Non, mais tu la mets en travers sur une entrée de virage si tu préfères, mais pas sur une sortie en mettant le pied dedans. Par contre, les crispes, cette Porsche Taycan, c'est incroyable. C'est une des plus belles Porsche qu'ils aient sorties ces dernières années. Bon, ouais, à part les 911 qui sont quand même toutes plutôt bien réussies ces dernières années. Les Cayman GT4 sont propres aussi, hein, fait des clubs. Absolument, ouais. Oh, Egg qui se loupe. Et compagnie là, c'est vrai que c'est ouais, c'était stylé. Après, pour avoir vu en vrai les nouvelles GT2 là, c'est impressionnant, ouais. Hein, les styles Moby Dick là. En vrai, c'est oui, celles-là elles sont très très belles aussi. Et le son est vraiment sympa. Puis ça envoie, hein, par rapport au GT3, c'est très sympa. Bon, alors que l'aspiration va peut-être m'offrir la victoire. Je tiens à préciser que la remontée depuis le virage Paul Frère, donc là où il y a le karting, jusqu'à la ligne d'arrivée, je peux vous garantir, les gars, à pied, vous crachez vous. Ah ouais, ça monte, hein. Ça monte de... Allez, hop. On n'a rien vu. Toujours proche de la coque. Oh là là, mais ce petit drift là dans le... Oh, la RS01. Bah, il est là, Franck. Ouais, oui. La RS01, gros, j'étais surpris par le grip que ça a. Punaise. En vrai, ça en vend. Ah, après, en c'est en setup spectacle. Ouais, bah ouais. Heureusement. Puis ça fait un bruit plutôt correct. T'as cette accélération là, Coke. Eh, attends, à l'accélération. Je la prends, mais bon, il y a aussi l'aspiration qui joue quand même pas mal. Oh, je décroise dans le rayon. Pareil, j'ai repris la deuxième place, mais j'ai pris une seconde dans la gueule. Dommage. Bon, allez, Salinx, il va me donner la spi. Putain, mais on s'aspire tellement, c'est violent. Ah bah oui, j'ai mis la spi forte, sinon c'est pas drôle. Quand il n'y a pas la super Formula qui vient mettre tout le monde d'accord, mais ne me pousse pas. Ne fais pas l'enfant. Alors, la RS01, j'ai pas autant d'appui que toi en virage, bro. Alors, ce sifflement, c'est pas un faux contact, hein, c'est la bagnole. Oh, ce hater. Oh putain, incroyable. Alors qu'on parlait d'écologie en début de live, sur planter des arbres, se dire que la mobilité. How dare you! Oh bah, putain. On est d'accord qu'en fait, la Super Formula, il fait un demi-tour, il fait full 360, il repart, il nous repasse. C'est ça. 360. Bah écoute, il s'amuse, il a bien raison. Mais nous aussi, remarque. Hein. Bah moi je m'amuse bien avec la Porsche. Écoute. En vrai elle est sympa vraiment. Là je la trouve vraiment très très cool. Ah la RS01 qui va nous prendre tous sur la ligne. Ah, Cockman dans le bac à gravier.
Je vois que ça coupe et ça mélange. C'est pas très bon pour la qualité du produit. Ça distille, c'est pas faire. T'as la RS01 qui nous allume. Plata au plomb. Oh, il part en tête à queue. Allez, salut. Full spin dans Blanchimont pour la RS01. Oh, terribles images. Ça peut encore se gagner, hein, si j'arrive à lever, là. Putain, je suis tellement loin. Mais t'es où? Tu fais du tourisme, là, ou quoi? Bah, gros, je me suis fait mettre dehors. Tu visites les Ardennes? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, on va se faire avoir sur la ligne, la Super Formula. Non, il glisse. Oh, ça va être chaud. Non. Yes. Putain. Il a joué sa vie, Maxou, sur cette... Oh. Il a joué sa vie. Attends, j'étais deuxième derrière Egg depuis le début. Je le prends dans le dernier virage. Merde, c'est quand même chez moi. Il y a un honneur à... Putain, à respecter, là. Putain, les gars. Putain. Ah là là. Putain, heureusement que j'arrive pour voir un peu de spectacle, là. Alors... défiel le bruit de la Porsche, on dirait les cartes du Nürburgring. Ah, c'est vrai, au Nürburgring, il y a un karting indoor qui sont tous électriques et vous avez un bruit d'une sono dans le karting qui vous donne un bruit de thermique. Ça doit être pas mal, ça. C'est déroutant. C'est déroutant de ouf. C'est honteux. Je suis rentré dans le karting, il était marqué en énorme en allemand. Si t'as pas de rendez-vous, tu dégages. J'ai fait, ok, sympa l'accueil. En gros, si tu roules pas, tu peux même pas rentrer pour un verre, quoi. C'est... Greta Stappen pour Hydro, voilà. De la Greta Stappen. Oh, cette victoire. Ah, moi, je serre la main, sans qu'il y ait une petite belle tour. Bravo. Je regarde ce sera voiture. Ma miniature. La Taika coûte 230 000 crédits dans GT Sport. En revanche, je ne sais pas combien elle coûte en vrai. Oh. On a été 1200 à un moment donné, là. Ah oui, on est 1200, très bien. Bah, merci à tous. Merci à toutes et à tous, ça fait plaisir. 510. Ah, bah, y'a pas photo. Gros, la FT1 VGT. Ah, ouais, non, mais les 601 chevaux. Bah, salut, mais moi je prends ça. Hein. Faut voir le poids aussi. Hein. Oh, je crois que ça va, il me semble. Moi je vais tester. Attends, la AMG. J'ai. Attends, j'ai pris oh, quoi le comme bruit de ce V8. Attends, qu'est-ce que j'ai pris comme pneu? De toute façon, c'est des durs pour tout le monde, on n'a pas le choix. Ah oui, c'est oui voilà, ah ouais, c'est ça, exactement, c'est bon. Non, parce que j'avais peur tout à l'heure, on pouvait s'élancer en dur sous la pluie, donc c'était un petit peu dommage. Ah ouais, chaud. Donc il y en a qui ont... Qui se sont fait piéger. Qui se sont fait un peu piéger, c'était un peu compliqué pour eux. Donc le circuit est dispo dans toutes les conditions, jour, nuit, sec, pluie alors. Ouais. Et t'as pluie la nuit? Je crois pas, je crois le plus tard c'est 20h30, donc c'est 7h-ci avec la pluie. Ok, ce qui est déjà pas mal. Ah non, je suis en boîte auto, putain. Oh, le bruit de la Mercedes. Ah là là. Bah, option de conduite. Putain, ma Subaru, mais c'est un putain de paquebot. Eh ouais, ouais, ouais. Bon, prenez vos marques, je vais lancer dans pas longtemps le... Ça cherche les marques, hein, ici. Ça cherche les marques. Ouh, alors qu'il y a de l'Aston Martin aussi. Vieille DBR9S. La belle époque. Ça fait de la pub sur les skins des caisses. Ah ouais, on en est là quand même. Bah c'est Mikhail Izal là qui fait des mix, qui met des décorations de Subaru sur des Mitsubishi. Ah ouais, qui non, appelle mais ils, ça ont les craqué, ils ont craqué, ils ont craqué. Qu'est-ce qu'ils font rire eux. Oh là là, les goats. T'avais vu son garage avec la livrée Subaru sur 50 caisses différentes. Il y a, ouais, y a un screen qui avait tourné il y a pas longtemps. C'était abusé. Eh ben elle marche pas mal cette Mercedes en vrai. Je vais pas dans le bac, ça passe. C'est quoi les appels de phare déjà? Ah, c'est X. Ok, c'est bon. Moi j'ai plus besoin de. Je fais des appels de phare à Melchi. Oh, mais non, c'est vrai, les phares auraient pu être un peu plus lisibles hein. Dans cette période de la journée. Tu vois pas grand chose, même avec les phares. Et voilà, maintenant il me fait les appels, Melchi. C'est rigolo de faire les appels de phare. Le bouton le plus utilisé en GT3. Alors qu'on propose quasiment une course de 10 tours avec des kartings après, ce sera non. Ce sera sans nous. À faire à la PGW peut-être. On est méchants. Ah vrai. C'est aussi de la masterclass 200 000 euros. Allez,
10 tours de spa en karting. Attention. En manette inversée, en gyroscope. Oh. Toujours plus. Allez, c'est parti. Let's go. Finale. T'inquiète pas, Loud, donc Coke qui s'excuse pour les problèmes de pédale, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Pas de soucis, on est là pour s'amuser. Oh, les Belges en sous-nombre. Putain, mais j'ai vraiment la pire voiture du plateau en fait. Seule l'élite joue le kart. En vrai, si les gars, abusez pas non plus. Hein. Si tu veux investir, Hydro, tu peux prendre soit la MGGT, soit la Viper, c'est des bonnes caisses. Alors, je t'explique, hein. Je suis dans le rouge, donc les voitures, on va attendre un peu. Mais farm, hein. Aïe. C'est pas parti. Oh, terrible. Oh, derrière cette carte. Ouais, je confirme, je suis en plein dedans là. Oh, devant aussi, les gars. Eh bah, dis donc. Quand Spa était pas encore rénové avec le mur à la sortie. Oh de mais pardon la Porsche. Ah mais Coke il est belge, ok. Du coup envoie-moi un DM si t'as des bons plans. Oh mais pourquoi vous êtes arrêtés dans le rayon les gars? Ah mais tout le monde a levé mais là, non, c'est un cauchemar. Here I come to save the day. Oh là là gros. Alors que des pieds prend une demi-seconde, il me met dans l'herbe. Mais pose-moi. Mais j'essaye. C'est la technique de la NASCAR. Oh y'a là, le bumper. Oh là là, Maxou, non. Mais j'ai rien fait moi, hein. Mais j'ai rien fait, dit-il. Non mais j'ai juste freiné, j'ai traversé des pieds, c'était bon moi. Pardon, je suis désolé. Oh là là, mais les prises de trash les gars. Mais vous êtes sérieux, mais vous savez rouler un peu ou pas? Nope. Allez hop, on va s'appuyer un peu sur un belge. Voilà. Okay. Et finissez un peu. En plus on... Non mais là. Non. Mais tu crois où avec ton paquebot toi? Oh non. Oh c'est terrible. Ah je tournais trop tôt. Ah c'est pas une rallycross hein. Ah oh, et ça y est c'est Spinozzo est revenu. Comment on rejoint le serveur avec de la patience. Et j'ai un décalage de son mais qu'est-ce que c'est relou. Faudrait être partenaire Elgato, ce serait bien. Ouais mais non mais moi je stream avec le Elgato là mais je passe sur OBS parce que mon PC gère un peu mal les streams. Ah moi si on passe pas par Discord mais par le vocal de la Play, y'a moyen que je stream direct de la Play en meilleure qualité aussi. Hein. Oui y'a ça aussi. C'est parce qu'on est mais est-ce Discord, que tu peux brancher une cam sur la Play? Ouais hein. Je sais pas, je pose la question. Il faut pas une cam PlayStation, je pense que si tu mets une simple webcam ça doit passer hein, en USB. Oh, je peux fumer gros en ligne droite, c'est un scandale. Attends mais est-ce que je serais pas de dernier par hasard là? Moi, eh bah si. Moi je tourne sans me tracasser, j'ai presque les yeux fermés, c'est magnifique. Le circuit est bien réussi pour le coup. Est-ce qu'on peut mettre les pleins phares? Je ne vois pas assez bien la non. piste. Non, j'ai essayé, on voit que dalle. Pire période. Par contre on voit bien les panneaux jaunes s'allumer pour signaler les drapeaux jaunes, donc ça c'est pas mal. Putain, le deuxième se croûte, il faut évidemment que je loupe le freinage. C'est terrible. Mec, ah, il veut me foutre dehors, il est on en est trop là. Lent. Le mec veut me foutre dehors. Il a bien raison. T'es belge après tout. C'est... Ouais, mais. Ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous. Allez, vas-y, pousse mon grand. Oh là là, la Porsche, la VMAX de la Porsche, incroyable. T'as vu? C'est scandaleux. C'est chité, c'est terrible. Mais moi je suis là, je me traîne à 250 à peine. Par contre, elle freine pas. Hein. Que le mec a freiné à 50 mètres, ça ne pouvait pas passer. Oh là 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 là. Ah non, ça passe en vrai. Oh, oh, j'ai ouvert un peloton de deux Porsche. Moïse. Ici c'est la P2 hein, qui... C'est la P7 pour l'instant, je pense que je vais passer c'est la P14. Ah, j'ai Coke qui revient fort derrière. Ouais, il a quoi comme caisse? Je crois qu'il a l'Aston. Lui aussi, il a une voiture qui va super vite en ligne droite. T'inquiète. C'est pas l'Aston des BR9? Je sais plus, mais il m'a fumé en ligne droite, donc bon. Ce ne serait pas une Subaru? Je pense pas, tu vois. En fait, c'est quoi? Ah, c'est une R8. Ah, ouais, mais effectivement. 8. 8. Une R8. Une R8. 8.
ça, ça vous trigger, hein, les Français, le 8. Oh, ouais, non. Le 8, ça rend fou. Encore le 70 et compagnie, ça, on s'en fout. Sauf que c'est encore plus violent quand tu dis 18. 700. 18. Bon, la P6 pour l'instant. Quand est-ce que je vais détruire ma course, c'est ça? Oh là là, c'est le cauchemar derrière. Non mais l'Audi, elle est incroyable. Voilà, la remontada, P11. Alors j'ai un moteur coupleux par rapport à la R8, mais par contre là, je peux pas me battre. Elle est beaucoup trop agile. Ah ouais, non. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est? Oh non! La relance avec cette voiture, mais c'est de la merde! Oh, teubé, putain, mais quel teubé! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mon créneau là? Je rappelle que tu as les clignotants, hein, si t'as besoin. Ouais, c'est vrai en plus, de temps en temps je les active, c'est parce que c'est marrant. Non, sur Assetto, c'est le premier truc que j'ai testé, j'étais là, oh, c'est trop bien! Allez, tourne! Si tu me prends un cut au rayon, je pète un câble. Oh, si, moi, je vais m'en prendre un, moi, c'est sûr! Mais non! C'est sûr, je vais m'en prendre un, moi. Ah, il était inévitable. Oh, ouais, non, mais... Un peu jeune. What happened? What happened, Gabe? Stay focus. Alright. Sebastian will let you by. He will let you by. Quoi? Mais j'ai plus de 5 dixièmes, pourquoi, là? Non, ça, c'est pas volontaire, je suis désolé. Mais elle freine plus aussi bien qu'avant. Et hein, moi aussi, bah moi aussi j'ai l'impression que là depuis le début du tour j'ai plus de frein. Je tape devant la voiture, enfin la voiture qui est devant moi sans vraiment le vouloir en fait. Je freine, y'a rien qui vient. Je me sers un peu d'elle quoi. Ah non non vraiment pas, non non, parce que là les deux pushes que je viens de mettre ils sont bâtards et c'est pas volontaire du tout quoi. Oh Samir, oh you breaking the car. Ouais. Oh, en gros, j'ai fait une Alonso, tu sais, quand il était passé à fond et que le moteur il avait pas compris là. Ah, oh. Oh, ça, mais tellement dans mes veines directement ça. Bon, attends, c'était quoi? Tu sais que je. Ah, je crois que c'était en 2000... 2017. 2017. Non, ah, 17, non, ah, oui, oui, pardon. Ok, je pensais qu'à Spa c'était quand il avait spin avec la Renault tout seul. Non, 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 avec la McLaren Honda, il passe, c'est genre le moteur, oui, genre. Oui. Ligne droite après. Je sais plus où je suis. Oh gros, je me souviens, un débrief, la barre, on s'était tapé. En même temps... En même temps, c'était un potentiel de même inégalable, McLaren Honda. Ah gros... En vrai, c'est triste hein, qu'ils aient détruit le partenariat. Ah, bah, ouais. Ils avaient pas, plus le choix. Hein. Stoffel aurait pu rester un an, mais bon... Ça marche tellement bien entre Carlos et Lando que... Ouais, non... Bah, et je podium, pense qu'il sera bien mieux chez Mercedes avec Nick De Vries en... En vrai, ouais, pourquoi pas. Il a pas, d'ailleurs, il a pas gagné la course d'essai ou je sais pas quoi, là. Si, je crois. Si. Stoffel, le seul pilote qui gagne quand ça compte pas. Ça, c'est les Belges, tu sais, nous... Oh, deux Belges sur le podium, bravo. Eh ouais. Vous êtes... Ah, oh, je passe P11. Ah, terrible. GG peut être kick, hein, du coup, puisqu'il représente pas le pays. Oh, quel salaud. On rejoint... Ah, quel bonheur, mesdames et messieurs, ça fait plaisir. Ça. Ça, quel plaisir. Max qui tape dans la coque, on aura tout vu. Bah alors Maxime. Ah, qu'est-ce que tu veux. Quand on prend le melon, hein. On a 1000 viewers et après voilà. Hein. Eh oui, c'est ça. Hein. Enfin, les viewers des autres pour le coup. Alors que dans le chat, c'est en train de parler, de savoir, de débattre et de savoir si GT est une simu ou de l'arcade. Oh là, les gars, allez sur Reddit. Aïe, 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 les gars. En vrai, c'est une semi-simu, mais une simu, une semi-arcade aussi. Enfin, c'est un mi-chemin entre les deux. C'est un mi-chemin entre les deux. Et en fait, je trouve que ouais, c'est le bon compromis pour pas se prendre la tête et pour faire des petites parties comme là, on est en train de faire avec des potes, tu vois. Ou faut quand même un minimum de skill, quoi. Oui, c'est ça. Ou c'est pas Forza Horizon, par exemple. Exactement. Bon, groupe 4, on a dit. C'est pas grid. Ouf. Ça, ça a été compliqué aussi. Ah, là, ça va. Là, ça se tient. Ça se tient. Attends, par ouais, contre, en termes d'aspi, la Mégane elle est arrêtée, je comprends pas. Mais l'aspi, tu l'as mis en fort du coup? Bah oui. Ouais, parce que là, c'est pas réel hein, ce que je suis en train de vivre là. Non, non, mais non, mais c'est ça qui est marrant. Wouah, tu sors d'où avec ta Mégane toi? Bon, alors toi, je vais. Oh, heureusement que ça a coupé le micro juste avant. Ah, le son de la Corvette, il est vraiment bien fait. Hein.
Oui. Ce bruit, ce retour de flamme au moment du... Enfin, retour de flamme. Ce poc poc poc. Exactement. Mais en vrai, les sons sont bien améliorés sur cette édition du jeu. En vrai, ils viennent de loin, mais c'est vraiment agréable. Certains sons, genre le V10 de l'Audi ou de la Huracan, les V8, en vrai, ça va. Ah oui, non, mais moi j'ai toujours trouvé. Enfin, non, c'est vrai qu'il y a certains sons sur Gran Turismo en règle générale qui étaient pas fous. Mais les deux derniers, là, c'était violent. Hein. C'était une horreur. Il y en a quelques-uns qui sont quand même très très bien. Alors, moi j'ai testé la Mercedes de Team LH44. Sur GT Sport, le comportement, bon, il est, enfin, moi je trouve qu'il est pourri. Ouais, d'accord. Le scandale. Et même le son, il est dégueulasse. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Hein, après. Ce serait bien que du coup, Hamilton, vu qu'il est partenaire, on ait quelques caisses sympas, genre celle de 2008. Après, on s'en fout, tu vois, mais le style de F1. Ah ouais. Parce qu'avant, il y avait une Formule 1 dans. C'était la F2007. C'était attends. F2007, ouais, t'as raison. La F2007, c'était Gran Turismo 5, je crois. Ouais. Gran Turismo 6, on avait eu la RALT F3 de Senna, la Lotus 98T, et... Il y avait encore une ou deux caisses. Oh, mais... oh merci à l'air Harry TV dans le chat qui m'a dit de retomber de pluie. Oh, mais non. Oh. Est-ce qu'on peut techniquement choisir des pneus de pluie sur le sec, bon. Bah oui, je peux faire l'inverse, c'est bon. Bah oui, la preuve, j'ai tort de pluie. Bah du coup, le grip devait être pas mal. Ah bah ouais. Là, t'es bloqué sur une cinématique, il faudrait changer un truc dans les paramètres pour le débloquer. Bah est-ce que... Ah bah, trop tard. Est-ce que ça va le débloquer? Trop tard. Ah bah, voilà. Voilà, je... Alors, F2007 et F2006, 2010, pardon, exactement, c'était sur Gran Turismo 5, je crois. Et je me souviens, tu sais, il y avait une GT5 Prologue, je crois, ça s'appelait. Exact. Et je me souviens qu'il y avait la F2007 dedans, et qu'à un moment donné, ils ont fait une mise à jour sur GT5 Prologue, et le son de la F2007 était passé de excellent à pourri absolu. Oh, hydro. Oh là là. La motricité, elle est incroyable sur la Citroën. Hein. Et personne n'a calé, voilà le... Ah, il y en a qui étaient pas loin. Ah, il y en a, ouais, j'en connais un qui était pas loin. Wouah, le raid. Hydro, l'antistol était présent. Hein. Putain, mais la mégane à l'intérieur, mais sans déconner. Oh, 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 compte... Oh, ça a failli faire au code Perez. Oh là là. Remontada is coming. Alors, en vrai, la F1 Polyphonie, elle manque, mais aujourd'hui, elle est remplacée par le Red Bull X, en fait. Le proto Red Bull X, c'est l'équivalent de la F1 Polyphonie en plus poussée, quoi. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une F1, genre années 90, comme il y avait la fausse Ferrari à l'époque, c'était trop bien. Ça. Avec un V12 démentiel, en plus. Exactement. Gros. Oh, punaise, oh, punaise, oh, punaise. Et ça passe, hein. Bon, pas tout le monde, hein. Ouais, pas ça, tout ça cut, mais... Pas tout ça cut, mais c'est propre, quoi, je veux dire. Tout le monde reste en piste. Oui. C'est propre. Alors, c'est propre. Oh, non. Allez, vas-y, 4 de front, rien à foutre. Oh, gros, c'est propre de rien du tout. C'est scandaleux. C'est scandaleux, les coups de pare-choc. Dit-il en me mettant... Oh, je suis à l'extérieur au virage à Kix, je suis mort. Non, ça va. GG qui est en warning, tout va bien. Mais je suis là. Mais non, mais. Putain, mais la mégane, c'est quoi ce grip en virage? C'est abusé. Oh, hydro la tête. Ah, mais non, mais GG, franchement, là, ça abusé. Ah, GG. Là, c'est plus un problème de pédale, par contre. Ou alors c'est une insulte et pas de ça ici, quoi. Ah, c'est vrai, putain. Oh, je suis choqué. Voilà. T'es Pielo qui va prendre un trade sur Twitter. Ouais, Maxou avec sa petite seconde de pénal qui est en train de nous fumer. Ouais, t'inquiète pas, va y avoir un truc. Heureusement qu'il y a... Oh là, attention. Un truc qui marche pas. Ah bah t'inquiète, elle marche très bien. Moi, elle va impeccable, hein. Est-ce que vous prendrez pas tout ça? Vous freinez pas, Blanchimon, vous levez. Mais ouais, regarde, la Corvette, elle est revenue. Non, t'as dit ça, derrière, tout le monde a levé, et du coup, tout le monde tient l'exté, donc... Oh, laisse-moi la place. ODD. Oh. Salut. Oh, GG. Alors,
Alors que ça se bat devant entre une Renault putain, et une... Putain, mais la traction de cette voiture, c'est de la merde. Non, mais le groupe 4, c'est génial, en vrai. Hein. Bah, pas le truc de Citroën. Hein. Non, mais c'est pas une vraie voiture, ça, c'est... C'est de la merde. C'est un concept car qui aurait jamais dû sortir d'une table de dessin, quoi. C'est un mec qui a renversé sa tasse de café sur le plan, quoi. C'est terrible. C'était un mec, tu sais, il allait en réunion, on lui a dit... au fait, t'as regardé pour un concept car? Oh, merde. Concept car, que l'image. Il a pris une photo d'un dessin dans les chiottes et puis il est parti. Ah le mec, il a fait un vol. Il comment a roulé sur un plot en fait et le plot l'a éjecté en l'air. Mais non. Je suis non, à droite. Non, non, non mais la rue, gars. Oh là, mais les gars, il y a du monde devant. Oh là là. Oh, j'ai monté sur le plot. Oh, je suis monté sur le plot. Oh, mais avancez. Je suis désolé. Moi, je suis en train de pénétrer une Mégane. Allez, on est droit de fond, les gars, on est droit de fond. Ça va être pour mon cul. Non, moi, je suis en ah non, ça va. Ça passe. Cette propreté. Incroyable. Je mange un gros taquet, voilà. Il arrive, le taquet, il arrive. Est-ce qu'on va faire full podium YouTuber? Aïe. Pas comme ça, non. Pas comme ça, Zidane. Le Kélo, il a dit non. Voilà. Je fais du deux roues, ça a pas de sens. Oh, il est parti en tête. Oh non, me touche pas moi. Oh là 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 là. Ah, quelle barre de rire, putain. Ah, c'est bien, mais quand tu freines... Ah ouais, quand tu freines plus tard, tu crées tellement de décalage, la voiture devient un fantôme, t'as qu'à passer à travers, tu passes. Eh oui, c'est ça le truc. C'est incroyable. Surtout si t'as la peine en plus. Ça aide. Ouais. Ah, y'a moyen de faire un beau doublé là. Dans quel ordre? C'est ça la vraie question. Ah mais il y a encore un bus stop, hein, donc je me fais pas d'illusions. Il reste encore un tour surtout. Ah oui, bien vu. Oh, l'aspiration absolument incroyablement cheatée. Est-ce qu'on va se toucher pour faire une Gasly? Comment il s'appelait déjà l'autre qui est parti Bah Verstappen qui a fini dans le mur aussi en voulant doubler à l'extérieur. Oh, ça c'est une demi-seconde de tarif ça. Ça c'est une demi ça. Ça c'est une bonne demi-seconde de tarif. Non. Allez. Oh là là, oh là là, oh là là. Non mais les gars, mais vous rendez compte de ce que vous voulez faire? On rentre à 3 de front dans la chicane, vous foutez de ma gueule. Ah non, moi j'ai levé, hein. J'ai essayé de croiser, la preuve, ça s'est passé. Là, 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 mais c'est un scandale. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Hydro? Salut. Ah mais salut. Les changements de ligne, c'est un cauchemar, quoi. Putain, j'ai perdu la Mercedes dans mes rétros. Oh, très belle correction de la part de Depiello à la sortie de la source. Oh, c'était terrible. Hydro qui va nous fumer. Oh, Hydro. Ah moi gros, c'est F1-19 like hein. Ah, tu n'es pas Mark Webber. Arrête. Mais les gars, oh la demi. La demi. Non non, c'est une plaine ça. Oh non, oh la Sirocco qui revient comme une fusée. Avance. Allez, pousse. Avance. Pousse. Qu'est-ce que... Poussez. Avance. Avance, tu es en Formule 1, avance. La Sirocco qui va nous mettre une amende terrible. Oh, oh non, oh non. Oh Pierrot. Oh la trahison en live. Désolé, j'ai clippé l'herbe. Non, ça m'a remis dixième. Non. Oh, c'est tellement la foire d'empoigne. Ça t'a dépassé, t'as pas pu. Ça m'a pas pétis. Ah, je suis mort. Alors qu'on apprend que les commissaires de course viennent de se pendre. 450 investigations ont été ouvertes. Emmanuel et Piron en sueur. Ce scandale, mettez tes pieds l'odeur. Mais allez, pardon, une mais j'ai pas fait exprès, gros, je te jure. Mais j'ai pas fait exprès. Oh là là. Ça demande la VAR du côté de Lyon. Ah, ça demande la chica VAR à l'OL là. Rudy Garcia qui demande la VAR. La chica VAR. Je rappelle que la vidéo ne prouve rien en Formule 1 puisque, eh bien. Ah oui, capteur. Pour les capteurs. Putain, quel scandale ça aussi, putain. Le mec bouge sur la caméra, mais non, il a pas bougé selon le capteur. Non, non, le capteur est précis. Capteur Big Ben. Le sport le plus technologique du monde, rien du tout les gars. C'est dans l'idée de la télémétrie chez Renault, hein. C'est pas le bordel. Allez, un peu d'aspide en Blanchimont là, il me faut cette victoire. Attends, mais je suis P7. Oh là là, quel scandale. En même temps, j'ai 9 dixièmes de Pena, c'est mort pour les... Oh, je prends 5 dixièmes, mais non. Mais non. Va falloir faire les comptes à l'arrivée, hein, parce que là, les Pena, tout le monde prend tarif. Là. Tu n'es pas Mark Webber. Tu n'es pas Mark Webber. C'était magnifique quand même. Faut en faire un chiffon. Mais tu n'es pas Mark Webber. Ça ne passera pas.
Oh, est-ce que je vais éliminer ma Pena? Non, c'est mort. Allez, salut. Ah, oh là là. Oh, il force. Oh, je force. Oh, je peux faire. Je suis désolé pour la Huracan. Oh, bien joué. Ah, je peux faire un podium. La motricité à moi. C'est mort. Allez. Si. Putain. Putain. P7. Fuck. Ah, la Pena qui me met en fond. P9, mais putain, ce scandale. Ah là là. Bon, j'espère. Eh ben, on est toujours 1200 personnes sur le live, ça fait toujours 1200 plaisir. Personnes à voir que tu m'as cassé le cul au combe. Eh, vous connaissez l'expression close racing? Là, on de est quoi, pas mal. De quoi, Maxou, excuse-moi? Parce qu'ils connaissent bien l'expression close racing maintenant. Ah, bah alors là, close racing, là, on est close. Là, là, ça, c'est oh, from podium de youtubeur to P4, P7, P9. From trahison. From poignard dans le dos. C'est terrible. Ah putain, le mec qui me félicite, la soupe est bonne, hein. La soupe est bonne. Ah ouais. Attends, mais... Alors Maxou, c'est petit ça. Ça, c'est pas sympa. Ah mais il pleut pas. Ah si, il pleut, putain. Il pleut pas, mais Francorchamps, t'inquiète, il y a 4 saisons en une journée. Magnifique. Ah putain, ça, j'avoue, c'est trop ça. On rappelle qu'il a neigé, hein, aux dernières saisons. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est... Bah dis donc, Météo Project Cars n'est pas si... Oh, il fait quoi, lui? Oh, gros. Attends, c'est où les setups pour tout le monde les mêmes paramètres des règles? Oh, c'est tellement beau sous la pluie. En vrai, c'est magnifique. Ouais. Paramètres interdits, voilà, c'est bon. Ça manque. Désolé les gars, ça va faire mal. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Ah non, ça va. J'ai lâché dans le doute, mais non. T'as les retours de flamme, c'est magnifique. Non, ah, mais il est vraiment beau ce jeu. Oh là là, le coup de raquette devant moi. Il y en a pour qui la motricité compliqué. Ah, mon skin de la Mastercard, il est goldé. Ça va? Attends, je m'arrête. Oh, lui, il a une voiture Ferrari, mais what? Et vraiment, oui, je me mets dans les skins. Mais non. Et Melchi, sans déconner. They spin me right. Bon, bah, du coup, arrêtez au virage Jackie X. On repart. Attends, mais il est où le virage Jackie X? En fait, c'est le Speaker Corner qui a été rebaptisé Jackie X il y a 2 ans. Ah, je savais pas ça. Pendant le Grand Prix. Non, l'année passée ou il y a 2 ans? Pendant le Grand Prix Belgique. C'était la guerre. En hommage à. Monsieur Le Mans. Tu n'es pas Mark Webber, mais arrêtez, putain. C'est la guerre, je suis mort. Je suis en train de foutre un bordel pas possible. Oh, ça mérite un titre de vidéo. La bataille des Ardennes. LOL. La bataille des Ardennes, Jackie X. Storytime, la bataille des Ardennes, Jackie X. Ah, mais il y a des recherches de grip qui font mal là au niveau du chirurgical. Il y a des coups de raquette en 5ème quoi, c'est compliqué. Ça déboîte. Non, mais la spi, c'est incroyable. Ah, putain, j'ai pas la clim, les gars. Non. Regarde. Ça passe à fond. Ouais. Ouais. Moi, je lève un peu quand même. Qu'est-ce qui passe à fond, le blanchiment? Ah, par contre, ça freine pas. Personne a pris le bus stop. Allez. Ah bah, GG, hein, égal à lui-même. Ah, il a des problèmes de frein, il a dit dans le chat, il s'excuse. Ouais, bien sûr. Et ma soeur, elle m'a peur, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'elle veut, ta soeur? Oh, Max, t'es dans ma ligne de mire, là. Non. Mais... Hydro... Si j'avais un volant, ça aurait été le tarif 1 pouce là parce que. Ah, toi. Oh la. Oh putain, je regardais même pas où je vais. Excusez-moi. Oh non, c'est une tentative d'assassinat cette séance. Oh la vache. Coup... Bon bah là, on va rigoler, hein. Ouais, ou pleurer, ça dépend. Faites vos paris sur le chat. Moi, je pense que je vais rager dans 3, 2, 1. Je pense que je vais être calé sur la grille, moi. Ah, il y en a un qui a pas compris quoi, la Tomahawk. Ouais, c'est pas grave, qui c'est la Tomahawk? On le kick et c'est Petrox. Il y en a un seul. Vitalix Petrox. Ne regarde peut-être pas le live. Vitalix Petrox. Oh, c'est fou. Oh, il y a des pilotes derrière moi, non. Attention à la motricité. Hello, oh, 5 de TC, allez. Oh, ça va. En quoi vous jouez avec le train de jump? Bah, à la base. Bah, moi j'ai mis 5 de TC, je suis pas fou, hein. Non mais des coups de raquette en 5ème, à demi-tour après. Oh mais bouge avec ta putain de concept car. Oh allez, ça croise. Allez. Oh, le départ somptueux. Oh, je suis dernier, sérieux, salut Pierrot. On va pas se mentir, Pierrot, ta voiture elle est éclatée, hein. Oh, ah bah là pour le coup je suis Mark Webber, parce que ce que je viens de me taper là à l'intérieur de la source
et du Redion, c'était magique. Allez, petite Timothy, hop. GG qui part P2, y'a pas de justice. Ah, Exi, me tasse pas. Me tasse pas. Mais personne ne tourne au comble, les gars. Oh, j'avoue. Les gars, mais non. Absolument personne n'a pris la table. Putain, les gars. Allez, salut. Oh, pardon. Hydro. Gros, t'es revenu sur la track. Je suis... Non, c'est toi qui es revenu sur la piste. Vous savez que vous seriez en avant de peloton, vous seriez tranquille, hein. Bah là, on est à l'arrière et c'est pas tranquille du tout. Hey, eh, Petrox, c'est bien de faire le malin à prendre une caisse à la con, mais si t'avais mis des pneus cuits, tu t'en serais mieux sorti. Allez, chè. Oh non. Ce rageux absolu. Allez, chè. Maître Bonnard par l'odeur, allez, chè. Putain, les retours de flamme de ta voiture de tête, par contre, c'est abusé. J'ai peur. Ah, et il prend 5 dixièmes tout seul, allez. Et pour l'instant, il n'y a que GG qui arrive à me suivre. Putain, gros, ton coup de la tête qui m'envoie dans le bail. Oh, quel dommage. Ah. Je l'ai entendu, hein, Hydro, ton petit piston. Ouais, ça c'est le problème des micros de qualité, c'est qu'on entend tout. Allez, avancez les potes. Oh, désolé, je suis désolé, le belge. Ah ouais, Blanchimon passe voilà. Quasi un plan, ouais. Oh, Pilas, Toupi 6. Oh, mais me sers pas comme ça, Salix. Après, c'est vrai qu'en river, ça peut être cool de descendre le Redion. Par contre, elle tourne pas au bus stop. Oh, what. Oh, mais j'ai passé Blanchimon à fond, mais comme un chien, vraiment. Mais ça passe à fond, oh, j'ai pas non osé, mais... Ah, il m'a légèrement touché, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Et allez, hop, on prend tous la même trajectoire dans le dernier virage. Ah, Petrox il s'en sort bien, je l'ai trollé. Voilà, je vais me manger un plus 5 secondes. Même pas. Même pas pour tout ce que j'ai fait là. En vrai, les inters ça pourrait passer. Je sais pas, ouais, c'est ce que je me rose vers plus. Je pense que la pluie en fait elle est faite pour que les plus soient pas trop avantagés et que les inters non plus, tu vois, que ce soit entre les deux. On peut tester avec la même caisse. Oh, Mark Webber, mais... magnifique. Ça y est, c'est devenu un mème. Le mème absolu. Eh ben en vrai, Petrox, GG, hein, parce que tu tiens bien ta bagnole et ça a pas l'air simple. Hein, parce que le mec est en vrac à chaque virage, mais propre. Ouf le décrochage. I lost the grip. Oh, derrière, comment ça s'est mis dans, what the fuck. Comment vous faites pour louper ce virage? Là, tu sens qu'il y a du focus quand même. Hein. Alors là, ça tryhard de ouf. Hein. Ah non, non, y'a plus non, personne non, qui parle. Ah ouais, non, mais là, gros. Oh, mais tiens, je me prends ton cône, putain. Attention que les plots ici, c'est motif de décollage. Hein. Oh, le ouais, leader bah... en spin! Incroyable! Il manque une roue! Après, il peut me revenir dessus. Hein. Ouf. Alors évidemment, vu que maintenant on est en tête avec 5 secondes, j'en profite pour vous inviter évidemment à vous abonner à nos chaînes. Si vous aimez ce genre de live. Ah, mais on sent le commentateur professionnel, tu sais, qui passe toujours la pub quand il y a un moment. Dès qu'il y a un blanc, hop, là on va un peu habiller tout. On vous rappelle qu'on est présent sur Twitter, qu'on réagit pendant les Grands Prix de Formule 1, d'autres divisions également. Enfin, on a Instagram. Twitter, ça dépend. Ouais, quand on n'est pas suspendu parce qu'on a 12 ans, ça arrive. Hein. En vrai, pourquoi tu te fais strike tes comptes? On va pas en parler, j'ai envie de me faire repérer par le FBI. La NSA surveille. Je suis en guerre contre la France, donc... C'est la DGSE. La DGSE. La DST est de retour. Oh, petit meilleur tour en course là. Oh mais casse-toi avec ton con. C'est pas moi. Deuxième. Oh, je suis pas le DRS, c'est scandaleux. Oh, Mark Webber. Ça va, toi. Ah oui, ah. Oh. Oh, et puis alors, moi je prends vraiment le Redillon. Hein. Oui, bah ça va, t'as vu comment tu m'as mis dehors? Non, je t'ai pas mis dehors. Quoi? Oh, l'aspiration, mais PTDR, pardon. Quoi? Non, mais ça. C'est honteux. Le mec il a cut les combes comme un sagouin, il va me revenir dessus, il va me foutre dehors, tu vas voir.
Ah non, mais ça, ça par contre, Petrox, c'est pas top. Allez, non, surtout que t'as 3 secondes de pénalité, mon gars. Charmant. Yes, yes. Après, c'est cool qu'on n'a pas les écarts avec les autres bagnoles, qu'on a juste la voiture devant et derrière. Ça pourrait être intéressant aussi. Ça t'amuse? Parce que t'es en tête, tu veux savoir. Non, non, justement, parce ouais, que je veux voir okay, si. On a compris. Non, ça va. Je voulais voir si GG était loin ou pas. En fait. GG, il est devant moi là, il est à Pouhon. Parce que Petrox, il me sait nous foutre dehors depuis tout à l'heure alors qu'il a 2 secondes. GG, il est à Pouhon, il s'est loupé le GG. Ouais, on en profite en montant le podium. Par contre, Petrox. Ça va pas durer, ça va pas durer. Un petit peu là, limite. Ça va pas durer. Je sens que je vais me faire mettre dehors à la ski ou quoi. Par contre, la motricité, elle est partie en vacances quand même. Ah, mais là, dans ce dernier tour, gros, c'est impossible. En tout cas, Petrox, dommage. Hein. Je l'aurais essayé. Non, mais c'est pas grave. Shit. Ah oui, il a coupé les combes, il a pris 2 secondes, il m'a foutu dehors. Ah. Et maintenant, il est 6 secondes devant parce qu'il a tout coupé. Donc, si le jeu est bien codé, puisque ce n'est pas un jeu de Masters. Problème de frein. Oui, oui. Oh non, je vais manger l'inter dans Blanchimont. Est-ce qu'on peut décroiser? On peut décroiser. Oh, mais excuse. Ah, c'est propre de speed, Petrox. C'est cool. Quoi de... Oh non. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien à foutre. Petrox, c'est bien d'avoir cheaté. Mais tu fais quoi? 500 mètres avant l'arrivée. Dégage ta race d'ici. Allez, 3 secondes. Oh, 3 secondes, mais allez, mais. Et deux, voilà, le doublé. Ah ouais, Petrox qui est au fond, quoi. Putain, ouais, bah, oui, sur la papier, spin. P3. Non, t'es pas. À quel moment? Hydro P2. Y a quelqu'un, il m'a foncé dedans. Mais oui, P2, monsieur, je suis remonté, monsieur. Ouais, 11 secondes quand même. Oh là, mais c'est terrible. Ouais, 11 secondes, moi je me suis tapé. Gna gna gna, gros con. Weber. La bataille des arts. Belge par René Arnoux. Putain, René Arnoux. Oh là là. Autant de talent dans si peu de centimètres. Ah. On va voir si t'as des modérateurs rapides, mon cher Despiello. Ah, que se passe-t-il? Oui, arrière, oui, arrière. Alors, hop. We good. Ah, c'est pas bon très, pas très rapide, hein. C'est moi le modérateur ici, donc. Voilà. Y a pas. Ah oui, faudrait un jour que je remette. Bah, des modos, quoi. Ah, y'a quelqu'un qui a dit sale merde Despiello, pourquoi? Ah ouais. C'est pas gentil, ça. Pas très cool. Victoire de l'écurie Lola Ford. Lola Mastercard victorieuse. 18 000 crédits pour tous les coups de roue que j'ai pris. Karting. En tout cas, ouais, le peuple a parlé hein, du côté du jeu. N'oubliez pas de mettre des pneus secs. On n'écoutera pas le peuple. Hein. Ah, on va pas faire de carte. Il repasse d'office en slick, hein, je pense. Ah non. Bah, pas chez ah moi. Non, moi j'ai dû changer, moi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah non. Oh, c'est fou. Si, regarde, là ils sont en pluie. T'as lynx en pluie. Oh, navré pour les lags, hein. Chaque fois que je lance une session, mon AverMedia fait une thrombose, mais ça se passe. N'inquiétez pas. Ah, alors qu'il y en a qui sont quand même partis en pluie. Dont GG. Oh, mais le son de cette formule-là est démentiel. Plaisir. Vous m'excusez, je regarde le chat pendant que je roule. Tu n'es pas Mark Webber. En vrai, clippé, hein, au pire. Hein. Ah bah là, non, on peut pas être sur YouTube. On n'est pas sur Twitch. Non, mais envoyez-nous un GIF. Voyons, un GIF, ça n'a pas de son. Ouais. Ah, c'est possible, hein. Ah bon? Bah alors, ce qu'on passe une vidéo. Putain. Allez, on fait un petit tour rapide. Dernière petite course de la journée, les enfants. Yo les chômeurs, bah salut du coup. Bienvenue dans cette team chômeur. On n'est pas chez Jam Jam quand même. Allez, on va faire débuter la course parce que c'est pas qu'on a pas. What? Je suis envolé. Maxou est trop chaud, mais non. Oh. Je suis coude sur la portière, moi. Je suis coude sur la portière, carrément. Tout à fait. Route. Merci pour cette intervention. Non, je lisais le chat. Oui, je sais. Ah, il y a des beaux skins quand même. Et il y a moi qui n'ai pas de skin. Non, c'est gratuit, hein, les skins. Bon, allez, le plein pays, on compte sur vous. Oh, je pars dernier, vraiment?
quel dommage. Oh putain, oh, je suis qu'un. Ah, non, non, je suis sous. Oh, t'inquiète pas, le talent fera le reste. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait lui, Petrox? Bah, il est pas. Il a même que ton run précédent en fait. Lui, zéro fun. Ah ouais. Ah, désolé frérot, désolé la voiture, j'ai tout. Oh non, mais le mur en caoutchouc, putain, insupportable. Attention, je suis là, les gars. Laissez-moi passer. Oh, Maxou, ça va faire. Oh, Maxou, ça va faire. Ça va se passer, t'inquiète. On est full aspiration, oh, là. Ah, merci. Regarde beaucoup. Ça. Allez, salut. Oh, devant. Oh, la VMAX démentielle, oh là là, que je me paye. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas rentrés dedans? Enfin, qu'ils ne soient pas partis en vrille. L'extérieur pour les combes, mauvais choix. Allez-y, passez. Ah, des pieds qui a levé de 50 km/h de peur de se faire shoot. Foi, non, ça va me revenir sur la gueule. Et voilà, full bac à gravier, merci beaucoup. Putain, mais les gars. Oh. Salut. Vous connaissez Twitch Prime? Oh là là. Putain, oh, je suis passé quand même de P4 à P14 en deux virages, quoi, ça n'a pas de sens. Oh, Max. Oh, le dive que tu me fais. Ah non, mais même pas. Bah alors, les gars. Mais je fais ce que je peux là. À chaque fois que tu pars à la faute, c'est moi qui te relance. C'est le Kers maison. Vas-y, putain. On va payer tes youtubeurs. 10-11-12. Grande des machina, grande des. Oh non, mais non, je fais le Raikou. Paye ta commu FR. Oh là là. Ouais, non, mais Melchi, il est Melchou là. Non, ça c'était pas ouf. Ouais, non, mais en vrai. Max, c'est mieux le soir les blagues, je trouve. Ouais, bah, je t'ai dit, hein, faut le temps que je me rôde. Hein. C'est comme le diesel chez Toyota, faut le temps que ça chauffe. Oh là là là. Y'a pas le DRS sur cette merde. Ce serait tellement bien. Non, y'a le push to pass, mais je sais pas comment on l'active. Y'a pas le DRS sur la M26. Des bonnes refs. Le mec, il s'est arrêté à ça y'a 3 ans. Y'a un mec qui a coupé, là, on est d'accord. Oh là là, mais. Oh là là, oh là là. À l'astroturf, il fait mal à la sortie du bus stop, hein, putain. Il en cale 2-3. Hein. Off, off. Oh là 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 là. Oh, mais Ferrari, oh, Melchi. Je suis bloqué. Ah, je vais te mettre un push. Oh, mais t'as 3 de front. Ah, ma graine, plus vite. Ah non. Ah, ce jeu de voiture. Il l'a perdu. Je suis désolé pour la McLash. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je l'ai poussé. Après, c'est venu en collision sur Maxou. Et du coup, ça c'est. Ouais, jeu de beat bokeh. Ah, mais par contre, c'est un scandale. Hein. Les collisions, yes, sur ce jeu. Et encore versé, enfin assez tôt, du moins. Non, mais j'ai... Tu touches, peu importe où tu touches, c'est fait ta queue. Je trouve que les batailles sont moins propres qu'hier. Ouais. Oh, tu trouves ? Bah après, à heure de jeu égale, on s'en sort pas trop mal, hein. Oui. Jamais ça tourne ! Si. Oh putain. Ouais. En tout cas, GG, beau fair play, hein. Bravo. Dans la putasserie, t'as été d'une constance incroyable. Je conjure ton insigne, mon ami. Oh, mais Maxo, tu gênes le mec derrière toi. Ah, mais y'a personne derrière moi. Si. Y'a que la BD. Ça va encore être de ma faute, c'est. Par bagnole interposée, je le. Oh, les gars, on est 3 de front, non? Oh, le mauvais. Oh là là, allez. Les gars, mais faites pas un 3 de front avant le blanchiment. Vous faites exprès. Bon, ça c'est mon karma pour avoir sorti. Oh, mais les gars, mais c'est scandale! C'est honteux. Ah putain, mais l'astroturf qui me l'a fait à chaque fois, putain! Oh, Hydro, je suis à droite. Oui, bah y'a un mec à gauche. Ouais, j'ai vu. Putain, les changements de ligne, ça fume comme c'est pas possible là. Moi je m'inspire de Maxou, Verstappen, à toi. Yep. Max, super max. Ah, y'a quand même des gens qui sont cuits de sang, hein, sur ton chat. Oh, hey, des pieds-lots, dis à Maxou d'aller au stand. Pas mal. 200 IQ. Hein. Maxou, tu veux pas aller au stand? Ah, bah ouais, c'est la bonne stratégie, je pense. Hein. Ouh. Oh. Les
Les gars, s'il y avait ASR dans GT Sport, il y aurait des gars en sueur. Hein. Parce que franchement... Non mais... Il va se faire foutre dehors. Je le sens, hein. Il y a déjà eu 2-3 contacts. Dive bomb incoming. Je sais pas pourquoi je soulage à l'entrée de tour. Ouais, pareil, je soulage aussi. Stratégie Ferrari. De la sécurité. Stratégie Ferrari pour Maxou. Ça, je le sentais venir. En tout cas, il y a une belle vidéo quand on entame pour la première fois le multi sur GT Sport, avec comment se comporter, ne pas toucher ses petits camarades. Voilà, ah, exactement. Que j'ai pas écouté. Ah ouais. Je crois que j'avais pas le son sur celle-là, je crois. J'allais me faire chauffer à manger pour l'instant. C'est allez, ça. On va lui mettre un petit XT au bus stop. Ah bah non, on va peut-être lui mettre. Ah si, laissez. Allez, l'XT. Et non, reprend. Oh si, l'XT. Oh, Brandon Lake, quoi. Oh là là, le Brandon. Ah non, on va décroiser. On décroise. Oh, Maxou qui plonge, oh le salaud. Allez, je te laisse la place, hein, en vrai. Oh, par contre, Hydro, t'es gentil, mais... il y a Tassé et... ça va, quoi. Oh, mais il y a Pierrot. Alors ça... Alors, Maxou, il... Ah non, ça va, en vrai. Ah non, ça va. On m'a poussé, mais bon, je m'habitue maintenant. T'as mis un petit bump, mais ça va. Je sais pas qui m'a dit. C'est un bump de NASCAR. Alors, dans les commentaires, ça dit... Ah, ça a coupé, dommage. Tu conduis comme Schumacher, je sais pas comment faut le prendre. Avant ou après? Oh pardon! Ah, là c'était du avant! Oh je suis désolé. Oh, oh désolé, bon, la pérille, je pensais que ça a passé. Le dernier tour il va être démentiel. C'est bon, vous inquiétez pas. Mais continue! Oh mais non, mais Max! En fait, je regardais le chat et maman, je reviens sur l'écran, je suis sur toi. Ah, ça joue trop des coups là. Ah, mais les gars, mais on est tellement pas propre, enfin, surtout moi là en ce moment. Et non, oui, j'ai pris ma douche hier si vous posez la question. C'est quoi cette question? Qui a demandé ça? Qu'on le mette modérateur. Non, ça fait 24 heures qu'on est sur GT. Ouais, voilà, en fait, on a joué en off en fait. Oh! Pardon. Allez, coque. Ah, je me suis fait ouvrir en deux. Oh, c'est quoi ça? Ah, tais-toi, gros. Dis pas ça. Je me suis fait ouvrir en deux. Voilà. Oh le P5, le bel qui s'est loupé. Hydro qui va faire P5, on va rien comprendre. Allez, donne-moi ton aspi, mon petit belge. Ça dépend si c'est GG. Non, c'est Matt Prime. Allez, Cook, ton aspi. Allez, on se décale. Et le P5. Alors oui, Egg, c'est la dernière. It is the last one, last lap of the race. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, la P5 est remise en question d'un coup là. Bro, y'a un mec qui est à l'apex du bus. Ah bah oui, là, le belge qui met dehors. Demain, remis en question la P5. Oh là là. Oh, ça va être chaud. Là, il va y avoir des pédas qui vont se perdre. Non. Oh, 38 millième. Ah, c'est terrible. Ah, top 10, easy. Bon bah, P11. Bravo. Voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter le live ici. De toute façon, il est quelle heure? Il est. On se donne rendez-vous lundi pour le débrief du Grand Prix des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Parce que là, on est pas mal. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour probablement un autre live sur GT Sport, à mon avis, parce que là, franchement, on s'est quand même bien marré. Pas vrai, les gars? Ouais, ça fait deux jours qu'on s'amuse pas mal. Je trouve que là, en plus, les mages, les séries, on commence à prendre le jeu en main à force de jouer. Et c'est cool, quoi. Et puis, vous êtes pas trop méchant en piste, donc c'est cool. C'est ça, voilà. Bon bah merci Maxou, merci Hydro, et on merci se retrouve messieurs. Très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Et bah nous du coup on va aussi conclure cette vidéo. J'étais pas en live mais voilà, merci, j'avais le chat de Despielo un peu sous les yeux. C'est cool de voir que vous êtes très nombreux à suivre tout ça. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de F1 2019 et plein de lives. On va essayer de faire du iRacing ensemble, on va essayer de faire plein de trucs, on met des choses en place. Mais évidemment il faut trouver l'horaire pour tout le monde. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, salut.